on ne présente plus classe égale à HRL Bénédicte Delmas. Pendant 14 ans, elle a incarné le rôle culte de Laure Olivier dans Sous le Soleil. Présente depuis le tout premier épisode de la fiction diffusée en 1996, elle a partagé l'affiche avec les comédiennes Adeline Blondiot et Tonia Kinzinger. Mais beaucoup ignorent peut-être que l'actrice a d'abord été reine de beauté. En effet, en 1991, elle est élue Miss Côte Basque. Après quoi, elle s'est présentée à l'élection de Miss France 1992. Lors de laquelle elle a terminé deuxième dauphine de la gagnante Linda Hardy. Une position qui lui a permis de représenter la France au concours Miss International 1992. La même année, Bénédicte Delmas poursuit une carrière de mannequin et décroche même un premier contrat prestigieux chez Chanel. Et puis, en 1995, elle est repérée par les producteurs de Sous le Soleil, ce qui marque le début de sa nouvelle vie de comédienne. Mais lorsque sonne l'arrêt de la fiction en 2008, Bénédicte Delmas décide encore une fois de changer de voie. Jouer la comédie me plaisait beaucoup, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'après. La popularité, c'est très pesant. J'avais des sentiments très contradictoires et il fallait être cohérent, soit on est devant la caméra et on ne se plaint pas de ce qu'il y avait. Soit on arrête d'être devant la caméra, confiait-elle à Télé Loisirs en 2018. Ainsi, Bénédicte Delmas est passée derrière la caméra, en tant que scénariste et réalisatrice. On lui doit notamment plusieurs épisodes dans les séries Plus belle la vie, Section de recherche, Clem, Tandem, Cain ou encore Mongeville. Elle a également réalisé le téléfilm Elle. Point. Les filles du Plessis diffusé en 2016 sur France 3 qui a rencontré un grand succès. Arrivant à l'époque en tête des audiences avec 4,9 millions de téléspectateurs R. Sa carrière dans le milieu de la télévision lui a permis de rencontrer l'amour de sa vie en la personne de Thomas de Matet qui n'est autre que le directeur délégué de France TV Studio et l'un des producteurs d'Un si grand soleil, série que Bénédicte Delmas a également eu la chance de rejoindre en qualité de réalisatrice. Le couple s'est marié en 2005 et a accueilli une fille prénommée Loane en 2006.